l'activité laitière, porc et cidricole que mon père avait déjà développé un petit peu. C'est la quatrième génération. Je pense, oui, parce qu'on est un peu déjà les jardiniers de la nature. C'est quelque chose qui leur tient à cœur et puis de venir à la ferme, quoi, de venir chercher le produit. C'est d'autant plus intéressant de faire ça, oui, parce qu'on voit tout de suite l'intérêt que l'on porte à nos produits. Tout est produit ici sur l'exploitation. La première des étapes, c'est déjà de ramasser les pommes à partir de septembre. Ensuite, c'est le pressurage. Fabrication, on appelle ça la pilaison, c'est le fait d'écraser les pommes pour obtenir du jus. Ensuite interviendra la période de plusieurs mois de fermentation du cidre, soit dans des fûts ou dans des cuves. Mon père me racontait qu'à cette époque, en fait, dans la ferme familiale, il y avait un journalier qui buvait énormément de cidre. Il buvait presque 20 litres de cidre dans une journée. En nettoyant le tonneau, mon père il voyait que le cidre dans le tonneau diminuait d'un trait à peu près de 0,5 cm et on voyait la marque à chaque fois que le journalier venait dans la semaine. Le Havre de la Sienne, pourquoi? Parce que ça reste naturel, sauvage, des